Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite vous parler de Feu, l'application Flip. Donc Flip était une application là, qui permettait d'enregistrer des vidéos sous forme de devoirs. On distribuait un devoir aux élèves et ils s'enregistraient de manière audio ou encore vidéo. Vous avez sans doute remarqué, si vous étiez des utilisateurs fréquents, que Flip n'est plus disponible maintenant. Donc on nous dit sur le site, on est capable de se rendre, on nous dit que donc, on n'est pas capable d'enregistrer à nouveau. Et on nous dit que maintenant, il est en affichage seul et qu'on peut télécharger, par exemple, si on avait produit du contenu à l'intérieur, on a jusqu'au 30 septembre 2024 pour le faire. Donc, et on a un bandeau en haut qui nous dit que la caméra Flip, elle est maintenant disponible dans Microsoft Teams. Donc, de notre côté, on l'a quand même cherché. Et ce n'est pas nécessairement une application Teams, mais c'est plutôt une application dans la remise d'un devoir. Donc, je vous montre ici. Donc, si vous voulez l'utiliser encore avec les élèves, vous allez devoir vous créer une classe un peu comme Google Classroom. Et par exemple, ici, classe de Corinne, et c'est dans la section devoir là, qu'on va la retrouver. Donc, on va, par exemple, créer un devoir. Et là, donc, on va donner un titre au devoir. Et c'est vraiment dans le plus ici. C'est pas une application dont vous allez voir enregistrement vidéo Flip. Donc, c'est là que c'est disponible. Donc, l'élève, quand il va répondre au devoir, va pouvoir remettre avec l'enregistrement vidéo Flip. En fait, là, donc, ça devient un complément, là. On a des documents Word, Excel, PowerPoint, bloc-notes et la vidéo Flip. On a un tableau blanc également. Et là, on va choisir ici, là, pour nous, comme enseignants, on peut choisir de faire une vidéo pour les élèves. Donc, on peut s'enregistrer directement dedans. Et l'élève aura, quand il va faire le devoir, aura les mêmes options là, pour créer, pour répondre aux devoirs de l'enseignant. Donc, on va faire affecter. C'est là que ça se retrouve, l'enregistreur Flip, puisque vous avez sans doute essayé de le chercher dans les applications ici. Et elle n'existe pas. Donc, c'est vraiment dans les devoirs. Donc, si vous voulez poursuivre l'utilisation de cette application-là, vous allez devoir faire un passage à Microsoft Teams. Donc, évidemment, Microsoft tente d'attirer des utilisateurs dans les classes Teams. Donc, ce sera à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser à nouveau dans Teams. Sinon, je parle toujours de Canva, mais évidemment, quand on va dans Canva, c'est possible. Donc, je vais vous montrer le compte élève ici. Donc, c'est possible de faire des travaux, de demander la remise d'un travail. Donc, ça, j'explique ça dans d'autres capsules. Mais si je vous montre un compte élève, ici, par exemple, on va dans Canva, l'élève a quand même la possibilité de s'enregistrer. Donc, c'est un outil qu'il utilise fréquemment. Donc, pourquoi pas, là, je vais créer, par exemple, une présentation. Et l'élève peut utiliser dans la section Importer. Donc, vous voyez ici, il y a la possibilité de s'enregistrer. Donc, même chose au niveau de l'audio, vidéo. Donc, il y a possibilité de venir s'enregistrer ici. C'est une caméra qui va se placer. Et la beauté, de Canva, c'est qu'on peut venir ajouter, donc enlever par exemple l'arrière-plan, mettre un tout autre décor derrière, ajouter des effets. Donc, tout ça est disponible dans Canva. Pourquoi pas utiliser Canva à la place d'utiliser Flip? Donc, évidemment, du côté des élèves, on n'a pas l'option s'enregistrer et présenter. Par contre, ils ont toujours l'option ici de venir s'enregistrer. Et il y a des applications comme Agen là, qui permet d'avoir un avatar, de faire parler un avatar à leur place. Donc, c'est quand même des possibilités à explorer avec Canva, un outil qui est disponible. Et on a aussi tous les arrière-plans, les éléments qui peuvent bouger. Donc, c'est possible d'utiliser cette application-là à la place d'utiliser Flip. Donc, voilà, c'était Où est passé Flip? Bonne journée!